Bon, petite vidéo sur comment complexifier son spin. L'idée est très simple, on prend un trick qu'on maîtrise bien, tant qu'à faire un truc un minimum original ou qui nous ressemble, et on tourne autour. Voilà. Alors, je vais passer en vidéo. Voilà, l'idée est partie de ce trick là en fait, l'idée de cette vidéo que je fais souvent. Enfin, que je fais souvent. En ce moment, c'est un truc que j'aime bien faire. Hop, voilà. On l'envoie comme ça et on renvoie en pliant les mains comme ça. L'idée que j'ai eue sans le faire exprès, en fait, c'est de couper ce trick avec un autre. En l'occurrence, celui-ci. Tac, voilà. Donc là, on voit qu'on change complètement la nature de la figure. On lance effectivement comme ça, mais au lieu de continuer et de se contenter juste d'un changement de sens, là, et ben, on remet un autre changement de sens à l'intérieur. Hop. Et du coup, ben, ça change tout, vu qu'on repart comme ça, ça peut donner une nouvelle dynamique au combo, bref. Et en fait, à partir de ça, on va pouvoir construire tout un tas de nouvelles figures, en tout cas en appliquant cette méthodologie. Donc, hop, ça c'est le trick de base, là on peut faire ça. Mais alors si on peut couper la figure aussi dedans, on peut par exemple, je sais pas, hop, penser qu'on peut passer en dessous au lieu de passer au-dessus. Inverse, plutôt que de rester dans le même sens. De même, si on peut couper la figure et la faire partir dans l'autre sens, si on peut faire un counter, hop, comme ça, on peut aussi imaginer l'intervention d'autres doigts. Hop. Hop, voilà par exemple. Bon voilà, et puis après on peut inventer tout un tas de figures. Là par exemple, en étant passé en dessous, ben, je suis passé qu'au-dessus du majeur, je pourrais passer en dessous des deux doigts par exemple. On peut trouver, je sais pas, en fait tout un tas de variations. Donc l'idée principale à revenir, on revient sur la caméra, l'idée principale à retenir c'est juste de tourner autour des tricks en fait, d'autant plus ce qu'on maîtrise. Et bah, je sais pas, de trouver des petites variations, des petits counters, des changements de sens de main, etc. qui peuvent faire tourner à partir seulement d'un trick, faire évoluer notre spin et du coup le complexifier. Bisous bisous, à une prochaine.